finalistes de la Rainbow Vision de cette année. Neon Shadow de Shadow High. Les Rainbow Divas de Rainbow High. Et le trio royal de Seoul Select. Nous sommes en direct de la Rainbow Vision où les finalistes viennent tout juste d'être annoncés. Ouais, allez les Rainbow Divas. En avant Rainbow High. Sabrina, les Rainbow Divas vont-elles se reformer pour participer à la finale? Tu permets? Sabrina n'a jamais été notre porte-parole, je vous signale. Rainbow High se retrouve en finale contre Shadow High. À nous quatre. À partir de maintenant, c'est chacune pour sa jumelle. Alors on se voit à la finale, les jumelles de la loose. Tu sais bien que j'adore les Rainbow Divas et Rainbow High, mais le trio royal, c'est eux les meilleurs. Dommage que tu sois pas arrivée en finale, Mina. Tu méritais de gagner, je te promets. Oui, nous on a voté pour toi, je te jure. Enfin, moi j'ai voté pour toi. Oui, moi aussi. Alors t'as bien fait de dire nous. Non, non, vous déformez leurs propos. Les Rainbow Divas se séparent momentanément. Ça veut pas dire pour de bon. C'est vrai. On a une déclaration de Méline qui dit, je cite, « C'est pas momentané, c'est pour de bon. Les Rainbow Divas, c'est F-I-N-I. Fini. » C'est sorti de son contexte. Elle disait que c'était fini de rigoler et qu'elle passait aux choses sérieuses. Et elle voulait montrer qu'elle sait l'épeler. Elle a aussi dit « Je suis fatiguée de tout ça ». Ensuite, elle a dit « Mieux vaut ne pas le dire à haute voix ». Le mot le plus important, c'est « fatiguée ». Les Rainbow Divas ont débarqué à la Rainbow Vision en rentrant de tournée. Est-ce qu'on peut leur en vouloir d'être épuisées? C'est moi qui les ai encouragées à se reposer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ne sont pas là. Mais elles seront bien à la finale. Donc c'est sûr et certain? Désolée, j'ai une urgence à régler. Fini les questions et merci à vous. Oh, je suis trop content pour toi, Tessa. C'est dommage que je sois pas là pour te faire un câlin, pour te féliciter. Oh, j'aurais trop aimé. Mais je suis trop contente que ta tournée fasse un passage en Corée. Compte sur moi pour être au premier rang et t'encourager. Au premier rang? Tu voudrais pas être au premier rang et en plus visiter les coulisses plutôt? Oh, bah si t'insistes. Plus que 30 minutes avant le début de la finale. Ça va envoyer du lourd. Oh. Pas si vite. En tant que régisseuse, Ensley et moi sommes chargées de veiller à ce que le spectacle se déroule sans accroc. On a fermé les yeux sur vos manigances pendant les demi-finales, mais on ne vous laissera pas gâcher la finale. T'es censée être de notre côté, la nouvelle. C'est pas comme ça que tu vas t'intégrer à Shadow High. C'est vrai. Ou alors je pourrais envoyer toutes les preuves que j'ai dans cette mallette à la directrice de Shadow High. Je suis sûre qu'elle serait plus que ravie de vous renvoyer. Comme ça, je n'aurai plus à me soucier des éventuels ennuis que vous pourriez me causer à Shadow High. Oh, t'es culottée! Viens, on s'en va. On se reverra à la nouvelle. Est-ce que tu sais que tu vas me manquer à mort? Oui, évidemment. Et toi aussi. Glitch, je vais pas te harceler, mais t'as réfléchi à ma proposition de devenir ton agent? Oui, à vrai dire, il se trouve que j'ai déjà signé avec quelqu'un d'autre. Je voulais un agent qui puisse me mener exactement où je veux. Et je n'envisageais pas que ça puisse être quelqu'un de Rainbow High. Tu sais, nous, avec Neon Shadow, on n'a pas encore d'agent et ça ne nous dérangerait pas de travailler avec une élève de Rainbow High. Neon Shadow, c'est à vous! Pas de pression. T'as qu'à regarder notre concert et on en reparle tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la finale! Oui! Écoutons sans plus attendre nos premières finalistes de la Rainbow Vision de cette année. Ce sont mes petites préférées, Neon Shadow! Day is when you see the moon. We don't mean to throw shade. Oh, oh, oh. Yes, we do. So get out of the way. Somebody's coming through. Whoa! You think something's out there? You heard a sound. Feeling your heart beat a little loud. What's going on in your head? You know it's coming true. Whoa! Look who's coming to get you. Guess you never expected us. You can
on y va ou quoi? Comment te dire? Ayesha et moi pensons que les Rainbow Divas vont continuer, mais pas pour la Rainbow Vision. Et pas avec toi dans le groupe. Donc, on ne fait pas la Rainbow Vision? Et vous me virez du groupe? Écoute, les Rainbow Divas n'avaient pas d'histoire avant que tu n'arrives. Sérieux? Vous avez pas viré 6 divas avant moi? Ou bien c'était 7? Tu vois, tu continues, tu crées des histoires. On pourrait au moins se séparer après la Rainbow Vision. Avec Ayesha, on pense qu'il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud et se séparer au plus vite. Et puis, on doit vite te trouver une remplaçante pour être prête cet été pour notre grand tour. Alors c'est fini? Plus de Rainbow Vision? Plus de Rainbow Diva? Plus rien du tout? Ah, c'est le tout nouveau matos de Neon Shadow. Waouh, ça c'est un retournement de situation. T'as vu ça? C'est fou comme la compétition fonctionne mieux maintenant qu'on n'a plus à s'occuper des jumelles qui mettent leur nez partout. Tu trouves pas? Hé, hey, où est Avery? Oh non, les jumelles ont dû se venger en kidnappant Avery. Ou elle est juste là. Si c'est juste comme l'autre fois. Je te jure que si c'est les jumelles, elles vont m'entendre. Aidan. Surprise. Avec Aidan, on voulait te dire au revoir correctement. C'est vrai? Alors vous ne m'en voulez plus? Ça a été dur, mais j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'en étant dans des écoles différentes, notre amitié aurait plus de chances de survivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, nous ne sommes clairement pas doués pour être amis dans le même établissement. Mais peut-être qu'en ayant chacune notre espace pour s'exprimer, les choses s'amélioreront. Et peut-être qu'on aura même l'occasion de se manquer. En plus, se demander sur quoi l'autre travaille stimulera votre créativité pour vos propres projets. C'est vrai. Du coup, on a préparé quelque chose pour toi. Aidan, à toi l'honneur. Sérieux, une tête de mort? Pour être dans la vibe Shadow High. Regarde dedans. Même si tu es maintenant à Shadow High, on espère que tu garderas un peu de Rainbow High dans ton cœur. C'est pas trop chelou? Un petit peu. Mais c'est aussi parfait. Merci beaucoup. Les 3 A, envers et contre tous. Avery, on t'attend sur le plateau. Où sont les Rainbow Divas? Non, mais c'est pas vrai. Sabrina, salut. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas censée être sur scène? Je sais pas ce que je vais devenir. Nous allons maintenant accueillir les Rainbow Divas. On accueille les Rainbow Divas. On me dit que les Rainbow Divas ne se présenteront peut-être pas. Le règlement stipule que si un groupe ne se présente pas, il est éliminé. Ce qui veut dire... que Rainbow High sort de la compétition et que la finale sera entre Seoul Select et Shadow High et c'est tout. Oh! Quoi? Quelqu'un est monté sur scène? Que se passe-t-il? Où sont les deux autres? Tu peux le faire, Sabrina. They say things happen for a reason. I gotta do what I believe in. I'm looking for something more. So what am I waiting for? I just need to walk through that door. 'Cause you know that my dreams are finally set free. And I know. Can't deny this feeling in my heart.
C'était juste... J'en ai le souffle coupé. Juste magnifique. Mais elles ont enfreint beaucoup des règles de la Rainbow Vision. Pas de changement d'interprète entre les passages, de chansons ou de mise en scène. Pour n'en citer que trois. Les juges feront-ils une exception pour ce geste courageux d'un membre des anciennes Rainbow Divas? J'imagine qu'on va devoir attendre notre prochaine rencontre. C'est la performance la plus courageuse de l'histoire de Rainbow Vision. Merci, Sabrina. Sabrina, j'ai toujours su que c'était toi la vraie star des Rainbow Divas. Et j'adorerais t'aider à lancer ta carrière en solo. Et j'adorerais travailler avec toi. Mais accepterais-tu de représenter Delilah aussi? C'est elle qui écrit mes chansons et j'aimerais tellement qu'on crée tout un album. C'est vrai? Ah, j'adore! Ce serait génial! Alors que nous entrons dans la dernière étape de la finale de Rainbow Vision, une question demeure. Quelles seront les conséquences pour les Rainbow Divas qui ont changé à la dernière minute de chanson, d'interprète et... Waouh, presque toutes les règles! Est-ce que Rainbow Eye va trouver le moyen d'échapper aux règles? En attendant l'avis des juges, nous vous rappelons qu'après cette dernière représentation, le vote final commencera et... Oh, on me dit que Glitch est de retour sur scène? On arrive au terme de cette compétition. On accueille la dernière performance de la Rainbow Vision de cette année. De Seoul Select, le trio Royal. De la Rainbow Vision, ce qui signifie que c'est le moment de voter sur vos téléphones. Oh,
Mais avant cela, on me dit dans l'oreillette que les juges ont une annonce à faire. Merci beaucoup, très cher. Maintenant, concernant les changements non autorisés apportés à la performance des Rainbow Divas, après mûre réflexion, les juges ont décidé que nous n'avions pas d'autre choix que de disqualifier les Rainbow Divas. Quoi ? Oh non ! Oups ! Dommage ! Yes. Bien fait ! Quoi ? Toutes ces manigances et ce travail acharné pour rien ! Yes ! Oh non ! Oh, je suis vraiment désolée, Sabrina. Est-ce que ça va ? Je ne regrette pas de l'avoir fait. Oh, waouh ! Bon, il semblerait que les juges aient pris leur décision. Rainbow High ne sera pas en finale pour la première fois dans l'histoire de la Rainbow Vision. Donc, le vote se fera entre Shadow High et Seoul Select uniquement. À vos marques, prêts ? Votez ! C'est vraiment trop dur. Je peux pas regarder. Qui est en tête ? Shadow High. Non, Seoul Select. Non, Shadow High. Ah, elles sont au coude à coude. 10 secondes. Et 3, 2, 1. Les votes sont finis. Dans un instant, nous connaîtrons les vainqueurs. Mesdames les juges, êtes-vous prêtes ? Les votes ont été comptabilisés et il est temps de révéler les gagnantes de la Rainbow Vision de cette année. Miss Hilton, l'honneur est à vous. Les gagnantes de la Rainbow Vision sont le trio royal de Seoul Select. Félicitations à tous les concurrents pour leur excellent travail. Mais un tonnerre d'applaudissements aux lauréates qu'ils méritent. Le trio royal. Merci de gagner.